l'urbanisation, c'est ça l'œuvre de ma section. Ça s'occupe de la viabilisation des parcelles pour l'occupation. Il faut obligatoirement tracer les voiries pour qu'on puisse maintenant faire les adductions d'eau, l'électrification, tout relève de l'urbanisme. Une fois que l'état des lieux est fait, là on est orienté pour créer le lotissement. Alors que le littoral, c'est des zones à proposer. Par exemple, les mangroves, c'est des DPM, les domaines purement maritimes, relèvent de l'État. C'est des zones à protéger. Avant d'acheter un domaine, de venir à l'habitat d'abord, pour qu'on voit les lieux. C'est dans cette forme-là, sur papier, qu'on va projeter notre lotissement. Les bandes de protection, comment protéger, il y a des rivières, il y a des ruisseaux, il y a tout ce que vous connaissez. Donc il y a la corniche qui passe, tout ce qui est en bas de la corniche n'est pas à prendre en compte dans le lotissement. C'est des espaces verts qu'il faudrait créer à ce niveau-là. Ces espaces verts permettent à la population de Doubreka de respirer de l'air pur, de l'air sain, et permettent aussi à ne pas qu'il y ait souvent des inondations. Il faut beaucoup sensibiliser la population, surtout les coutumiers. Ils vendent leur terrain n'importe comment. Ils ne tiennent pas compte des règles urbanistiques. Quartier Mangé, Impéyéré. Donc il faut faire un bilan, faire d'abord une loti, et nous amatide, et nous coutumiera. Nanang bangti fait sembegbori, yi bondabon. Un homme devrait qu'à bilan. En créant ce lotissement, nous tenons compte de beaucoup d'aspects, parce que il y a la nature, les flancs des montagnes. Il y a lieu de dire, on parle de propriété coutumière, chacun doit connaître ses limites. L'État, au préalable, a déterminé les choses dans ces lieux-là. Des bornes géantes que l'État pose à des endroits. Donc, les flancs des montagnes, on ne doit pas les occuper, parce que ça a des conséquences qu'on ne peut pas énumérer. Seul l'État sait qu'en faire. Mais ce n'est pas un individu qui doit venir y apprêter. Si ça se fait, vraiment, l'intéressé à partir d'aujourd'hui, il doit libérer les lieux. Et puis les causes sont faites que la population est en avance sur l'État. Ils viennent occuper avant qu'on vienne urbaniser, surtout dans les périmètres villageois. La densité est tellement forte qu'on est obligé de faire des plans de recollement. Il faut des rails de guinard, ma femme a bé, donc à faire les. Nous courir à faire. Nous avons courir comme il est là. Nous avons de masse. Hali gemé, et nous avons de masse. Nous avons de nakana. Mais nous avons naïe mendison. C'est à trois niveaux. Premièrement, l'État doit légiférer en ce qui concerne l'attribution des domaines de l'État. Deuxièmement, il faudrait que les coutumiers soient dessaisis de l'attribution des domaines, que le service de l'habitat joue son rôle. Parce qu'aujourd'hui, avec. Si vous prenez la situation de Bonda, c'est des forêts réservées classées de l'État, normalement qui sont protégées sous la couverture de l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est pas respecté, c'est agressé. Jusqu'au pied de la montagne, vous avez des constructions anarchiques. L'occupation sauvage, ce qui fait ça. Par exemple, je prends l'exemple sur les plans de montagne. Les gens, ils occupent sans que le lieu ne soit viabilisé. Alors que ça ne se doit pas, normalement. Les gens occupent les terrains alors qu'ils n'ont pas les documents topographiques. Ce qui est à la base de toute occupation. Il faut avoir d'abord un plan de masse, le titre foncier, la décision préfectorale. Normalement, c'est le document à avoir avant même de commencer les réalisations. Les éboulements là, ça c'est l'une des conséquences. C'est l'une des conséquences. Il y en a tant d'autres. Parce que le plus souvent, quand il y a une inondation, on accuse Dieu. Dieu c'est vrai, mais c'est le fait de l'homme. Parce que l'État a des endroits qu'il a réservés pour ses fins, pour ses fins utiles à la société. Donc, il y a aussi le service de l'urbanisme qui veille à ce que tout se fasse dans les règles de l'art. Pour freiner ce fléau,
nous procédons d'abord à une sensibilisation de la population, de les attirer vers nous, de ne pas occuper seulement après notre passage.